La querelle dominante aujourd'hui, c'est celle qui oppose les partisans d'une globalisation contre les défenseurs d'une souveraineté des peuples et des nations. Dans toute querelle, le choix des mots fait partie de la polémique. Comme en temps de guerre, tous les moyens sont bons pour démoraliser l'adversaire. La sémantique est donc faite pour intimider. Elle est l'œuvre des champions de la mondialisation heureuse et de la performance, du progrès, bref, de la démocratie, de la raison, du droit, de l'Europe des valeurs et des vainqueurs économiques. Bref, de tout ce que le monde compte de gens très adaptés, ultra-modernes, super-méga-connectés jusqu'au trou de nez. Tous les consommateurs citoyens ont mal de supplément d'âme. De leur point de vue, tout ce qui n'avance pas recule. Bon, alors pour aller où, ça, il n'en est pas question de savoir s'il faut s'interroger, parce que même ça, ça serait déjà un peu moins moderne, ça serait perdre son temps. Bon, voilà. Donc l'idée, c'est de marcher plus vite que les autres, histoire d'être un très très grand pays. Voilà. Alors le bonheur, oui, mais à condition qu'il serve quand même à quelque chose, quoi. Pas question d'être un heureux improductif, un imbécile heureux, par exemple, hein, ou un idiot du village, à la manière de ce personnage lunaire, hein, de type Gaston Lagaffe, ou, évidemment plus métaphysique, du Bartleby de Melville, qui disait sans cesse à son employeur « je préfère ne pas », hein, en refusant paisiblement de travailler. Voilà, cela causerait un désordre insupportable à tous les fondus du modernisme productif. Alors, les défenseurs de la lenteur trouvent de fait de considérer les arbres dangereux, hein, sur le bord des routes, c'est une nouvelle, hein, je ne sais pas si vous êtes au courant, donc les arbres sont dangereux. Alors, quand on regarde un arbre, on se dit « mais c'est d'une absurdité sans nom ». Ils considèrent que la vitesse en tant que telle n'est pas une marque de civilisation, les partisans de la lenteur, sauf pour sauver des vies. La rapidité est distrayante, mais elle aliène rapidement ceux qui se rendent incapables de vivre avec sérénité les moulins à vent, les rivières, les papillons de nuit, les forêts immenses et les petits bois où on prend le temps de vivre, parfois même de courir, mais librement. La querelle d'aujourd'hui n'oppose pas seulement deux visions du progrès et du monde, mais ça oppose, à mon sens, deux conceptions de la société humaine. Qu'est-ce que c'est qu'une identité ? Alors, l'identité française, par exemple, est-ce qu'elle existe ? Est-ce qu'elle est devenue malheureuse, comme le soutient Finkielkraut ? Faut-il parier sur la culture des anciens, sur le patrimoine, pour nous protéger des assauts de la vulgarité marchande, des grands haineux de la laïcité républicaine, hein, que les démagogues s'acharnent à démolir ? Faut-il, au contraire, faire confiance à la sagesse immanente des êtres humains, en abandonnant les exigences et la fidélité à notre héritage? La polémique est politique. La querelle, ici, me semble plutôt culturelle. Il me semble, par exemple, que pour échapper aux malheurs qui viennent toujours frapper à la porte de nos vies quand on s'y attend le moins, il existe quelques grands types de réactions. La voie de l'action, de l'engagement, pour tout retourner, transformer ses échecs en succès, ses obstacles en réussite, cela suppose une confiance minimale en l'humanité. Mais il arrive cependant que la vie ne laisse plus de place aux querelles. Fuir ce monde, c'est alors, par exemple, retrouver et se retrouver en partant loin du tumulte et des petites guerres interhumaines. Je voudrais évoquer l'histoire de la montagne du narrateur voyageur Élisée Reclus, qui se déplace vers des hautes vallées, déçu par sa vie précédente, hein, écœuré, il faut le dire, par les bassesses humaines. Il écrit « J'avais quitté la région des grandes villes, des fumées et du bruit. Derrière moi étaient restés ennemis et faux amis. Pour la première fois depuis longtemps, j'éprouvais un mouvement de joie réel. Mon pas devint plus allègre, mon regard plus assuré. Je m'arrêtais pour aspirer avec volupté l'air pur descendu de la montagne. » Élisée Reclus avait pris la voie de l'exil en Suisse après son année de détention en tant que communard. Et c'est là qu'il écrivit ce livre, en l'annonçant ainsi à l'éditeur Pierre-Jules Hetzel. « De la terrasse, je contemple l'immense amphithéâtre. Là-bas est le Nissen, promontoire bleu qui dresse sa pointe au-dessus des montagnes de l'Emmental. En face est le Pilate. Décidément, je suis bien mieux ici que dans ma prison pour rédiger l'histoire d'une montagne. » Contre les querelles surfaites, mais aussi contre les souffrances qu'elles engendrent, à moins que ce soit également une manière de répondre au pouvoir politique, l'anarchiste écologiste et surtout le pacifiste, c'est lui qui m'intéresse, moi, Élisée Reclus, répond par le retour à la nature, par la réconciliation de l'homme avec lui-même grâce à ce retour à l'origine.